Alors salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'astuces. Donc je vais vous montrer comment je fais pour nettoyer les moteurs. Donc on va voir un moteur qui est bien dégueulasse et je vais vous montrer aussi comment je le fais directement donc sur mon quad. Alors généralement je commence à entretenir mes moteurs quand j'entends ce léger bruit. Alors quand je commence à entendre ce bruit de roulement, en général, pour moi, c'est que les moteurs commencent à être un petit peu secs, car je les rince à l'eau chaude régulièrement, quand ils sont sales. Et donc à force de les rincer à l'eau chaude, on retire forcément la graisse qu'il y a dans les roulements. Donc moi, je vais vous expliquer comment je procède pour les nettoyer. Alors habituellement, je le fais directement sur les moteurs, sur le quad, sans les démonter. Là, j'en ai un qui est démonté, un ancien moteur qui est plutôt sale. Et je vais vous montrer donc ce que ça donne avant et après nettoyage. Donc, on va commencer par retirer la cloche. On va mettre le Wizard de côté. Et on va donc retirer la cloche pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc là, l'avantage des open bottom, c'est qu'on arrive à voir, un petit peu tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc là, on voit bien que le bobinage est plutôt sale. Et donc, on va aller faire un petit tour à l'intérieur pour voir. Donc là, on voit que le bobinage est vraiment sale. Vous voyez, il y a plein de saleté. Là, j'en ai plein les doigts. Donc, moi, ce que je fais habituellement, c'est que je le mets sous l'eau chaude au robinet. Donc là, je ne vais pas vous emmener dans ma salle de bain. Mais j'ai pris de l'eau chaude ici pour vous montrer et la brosse à dents de madame forcément. Donc j'imbibe directement le moteur et je nettoie donc bien en insistant partout sur le bobinage. Donc voilà, donc déjà, vous voyez, il a pris un peu plus de couleur, il brille un peu plus. On a retiré à peu près toutes les impuretés qui pouvaient traîner. Donc maintenant, il va falloir c'est bien le sécher. Donc je vais aller le sécher et on se retrouve juste après. Alors donc une fois qu'on a nettoyé la cloche, je vais faire un petit truc que je fais régulièrement sur toutes les pièces métalliques. C'est ajouter donc du WD-40. Donc le WD-40, pourquoi? Parce que tout simplement il chasse l'humidité et nettoie et protège et empêche que les pièces se grippent. Donc là, ce que je fais généralement, c'est que j'en mets dans un petit récipient, je prends un pinceau fin et je vais l'appliquer donc un peu partout sur mon moteur pour éviter qu'il rouille étant donné que je lui mets de l'eau régulièrement dessus. Alors vous inquiétez pas, le WD-40 n'est pas conducteur, c'est pour ça que j'utilise donc ce produit. Une fois qu'on a nettoyé au WD-40, je vais juste essuyer un petit peu le surplus pour éviter d'en mettre partout. Et maintenant, je vais utiliser donc un autre produit. C'est un petit produit que j'ai trouvé en magasin de bricolage. Donc, ça s'appelle de l'huile de vaseline. C'est une sorte de graisse liquide qui permet de lubrifier proprement donc les petits roulements. Donc, je m'en sers pour mes roulements justement à billes. Alors, ce que je fais, c'est que j'imbibe bien mes roulements.
J'imbibe bien le roulement. Je remets la cloche. Et je le fais travailler. Alors après, je vous conseille donc, une fois que vous avez fait ça, de bien le sécher. Sinon, vous allez en foutre partout sur votre quad. Et maintenant, donc, on peut voir que le moteur a repris un petit peu de brillance. Il l'accroche plus. Il reste pas mal fluide et on a l'impression que les moteurs, les roulements, pardon, sont de nouveau neufs. Alors, quand vous commencez à graisser et à dégraisser avec le WD-40, donc graisser avec l'huile de vaseline et dégraisser avec le WD-40, il faut savoir qu'à partir du moment où vous avez commencé à le faire, il faudra le faire régulièrement. Parce qu'une fois que vous avez utilisé le WD-40, vous allez retirer tout ce qui est, tout ce qui est graisses indésirables, donc les graisses qu'il y avait déjà dans les roulements. Donc c'est important de regraisser tout de suite derrière vos roulements pour éviter que ça fasse un sale bruit métallique comme je vous ai montré sur le Wizard. Donc là, je vous ai montré un petit peu sur un moteur simple. Je vais refaire exactement la même manip sur le moteur du Wizard et voir ce qu'on arrive à obtenir en nettoyant ça correctement. Alors, on va essayer de nettoyer ce moteur-là. Donc, regardez, je vous fais écouter le bruit. Ce moteur-là, pareil, même principe, on extrait la cloche. Un petit coup de nettoyage, un petit coup de WD-40 donc sur les bobines et on va rajouter de la graisse dans les roulements histoire de voir si on arrive à avoir quelque chose d'un peu plus propre. Alors voilà, on a nettoyé donc les deux parties. Maintenant, on va ajouter l'huile de vaseline. Hop. Et voilà, donc après, attendez-vous à avoir un petit peu de graisse qui coule par le bas, forcément, ou par le haut, selon dans quelle position vous stockez votre quad. Et maintenant, donc, on se retrouve avec des moteurs, un moteur du moins, qui fait un meilleur bruit, en tout cas à mon goût. C'en est tout pour ma technique pour nettoyer les moteurs. Alors bien sûr, c'est pas la technique officielle. J'ai cherché un petit peu plein de choses sur le net, de façons de faire. J'ai pris un petit peu tout ce que je retrouvais le plus et de ce qui me reste de mes cours d'électronique. L'étape est simple, nettoyer avec de l'eau chaude. Forcément, l'eau chaude, ça retire la graisse et l'eau fait rouiller. Donc, pour éviter que ça rouille, on applique du WD-40 et ensuite, on regraisse les roulements avec de l'huile de vaseline. Donc, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Je dirais toutes les 3-4 sorties quand mes moteurs commencent à avoir un petit peu de temps de vol. Ça permet donc qu'ils restent toujours aussi fluide lors des roulements. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres astuces justement ou si vous êtes plus calé et vous connaissez vraiment l'entretien des moteurs brushless. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous utilisez comme produit et de quelle façon vous les nettoyez. Donc voilà, c'en est tout pour ma petite astuce du jour. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, à partager, ça nous fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. C'était donc QNK pour We Are FPV.